deuxième jour à Osaka. Je vais voir ce truc là-bas. Le château d'Osaka. Puis ensuite il y avait trois temples à faire et puis je pense après-midi à aller dans un petit centre. En parc je crois. Le tout du château. Elles sont là. Encore des douches intérieures. Cette fois, il n'y a pas d'eau. Je suis du coup rentré dans le château. Enfin, dans le château, je ne suis pas encore rentré dedans, mais dans l'enceinte. J'ai faim parce que j'ai quand même pas mangé, il est 13h. Du coup, bah, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Mon hôtel doit être par là. Non, pas là, par là. Je sais pas si ça va se mettre sur mais il y a un hélico au-dessus. C'est rigolo. Il y a aussi des belles peintures. Bah, c'est des peintures. Ouais, ça a l'air d'être de la taille d'or. Ouais. D'ailleurs, le bâtiment de tout à l'heure que je disais, il y avait un héliport dessus, en fait, c'est les locaux de la police. Ça justifie qu'il y a un héliport. Ça, par contre, je sais pas c'est quoi. Si, en fait, je sais c'est quoi, j'ai regardé sur internet, c'est une salle de concert. Normal, là il y a un truc pas normal. Bouge ton parapluie, toi. Je me retrouve SDF dans la rue parce que ils ont pas d'endroit pour manger dans la boutique. Je vais voir un truc un peu éloigné d'Osaka. Un peu éloigné. Je vais prendre un train, pas un métro, un train. Une sorte de temple avec des trucs sympas autour. Bon, j'ai l'impression que c'est fermé. Ah non, ok, je suis pas à l'entrée. Ok. Je sais pas si c'est ouvert. Il y a personne. C'est très mini. Petit pont là. Wow, une arche. Statue. Voilà. C'est bon, c'est toujours ouvert. La porte principale du truc, c'est ça qui ferme tout le reste, ça ne ferme pas.
va finir plus tard, du coup. L'arbre est rentré. Et le fameux pont qu'on voit sur toutes les photos du site. La vue depuis le pont, qui n'est pas un pont en bois d'ailleurs. La plupart des trucs sont en bois, mais là, non. Là, on est au spot pour faire des photos du pont. Ok, il est très beau ce pont. Tout au bout, il semblerait y avoir un hôtel. Alors, vitre de citron mimi. Je suppose que c'est un hôtel. Ah, un tramway. Yeah. Oula, ça déconne. Il y a encore un autre chat. Un peu peureux. Je me suis trompé d'arrêt de métro, de tramway. C'est pas très grave, hein. À un arrêt près, il y avait un truc. Oh, regardez, je suis arrivé dans ce casino. Sorti, il y avait un peu trop de bruit et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire maintenant là. Je voulais me promener dans le quartier américain Osaka. Let's go. Bon, je vous filme un peu. Du coup, je suis sorti du truc bizarre, de l'immeuble bizarre, et j'ai vu qu'il y a un panneau mall. Du coup, bah, je suis allé. C'est immense. Voilà, on est tous au sol. Il y a 3 étages. D'accord, on est dans le rayon sauce. Bonjour. D'ailleurs, en fait, j'ai compris. Il y a des panneaux un peu partout. 7 and I. En fait, c'est un 7-Eleven énorme, c'est tout. Bon, je vous montrerai les autres étages parce que c'est pas très intéressant. Croissant X melon de bread. À quel moment ça ressemble à un croissant? La forme, d'accord, mais... Ah, mais il y a tout qui est affreux dans la sensation de ce truc. Le centre commercial est immense tout en longueur. Bon, ça, c'est deuxième étage. Premier, il n'y a que des trucs pour femmes. Zara, Zara. Shin, Shin, Zara. Oh, relation. Je suis sorti du centre commercial. On voit les montagnes là-bas. Dans une pharmacie. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance que par exemple. Je sais pas si vous avez entendu. Du coup, j'ai acheté ça.
dans le truc. Un truc à la cannelle et puis des pookies aux amandes, parce que ça avait l'air bon. Quand tu sais que dire que les pookies c'est bon, j'ai jamais goûté. Moi pour moi c'est juste des mikado, mais on verra bien. Moi c'est pas si mal de s'être perdu. Je suis allé du coup dans une pharmacie, normalement j'ai pris des vidéos. J'ai pris ça pour rester éveillé. Ce qu'il faut. Enfin pour rester éveillé. Non, pour se réveiller plutôt. J'approche du soi-disant quartier américain. Il y a des halles avant, c'est là où j'étais hier. Tout au bout du coup il doit y avoir le McDo où j'étais. Les centres commerciaux sur la rue où je suis. Lui il y a 14 étages. 14. C'est énorme. Les autres 10, 8. Tiens, un hamburger géant. Ce magasin, Kiddyland, là, je voulais y aller à Tokyo, mais j'ai pas eu le temps. Il y a que des trucs trop mimi. Regardez ça là. C'est trop beau. Enfin, trop beau, trop mimi. Par contre, le magasin est trop mimi, mais pourquoi de par contre j'ai écrit Dick Bruna? Est-ce que c'est son nom? Parce qu'à d'autres endroits, c'est écrit Miffy. Là, il y a Pétado. Ce soir, je mange thaïlandais. Oula. Ok. J'ai pris. Ça me focus pas du tout. Ça me focus pas. J'ai pris quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc avec de l'orange et du cassis. Et en plat. En plat, j'ai pris ça, caramel et tout, ça a l'air d'être du coup du riz, avec de la sauce à part, et du poisson, du poulet frit. Ça a l'air bon.